sera le nouveau président du Congo? Joseph Kabila ou bien l'opposant historique Étienne Tshisekedi? 15 jours après l'élection présidentielle, les deux candidats se disputent toujours la victoire sur fond de fraude. Le président sortant, déclaré vainqueur par la commission électorale, admet qu'il y a eu des erreurs, mais Joseph Kabila affirme que cela ne remet pas en cause la validité du scrutin. La crédibilité des élections ne peut être mise en doute. Est-ce qu'il y a eu des fautes, des erreurs? Bien sûr, comme lors des autres élections sur le continent ou ailleurs. Ce n'est pas l'avis de l'Église catholique congolaise. L'archevêque de Kinshasa est descendu dans l'arène politique. Le cardinal Monsengo met en doute la crédibilité de l'élection et il va même plus loin que les observateurs internationaux pour qui les fraudes ne remettraient pas en cause l'ordre des candidats et la victoire de Kabila. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Le président Kabila n'a pas eu ce score-là et M. Tshisekedi a eu plus de voix. Mais actuellement, le problème n'est pas là. Celui qui conteste M. Tshisekedi doit aller à la Cour suprême et la Cour suprême décidera. Mais Étienne Tshisekedi ne veut pas entendre parler de la Cour suprême. Pour lui, la solution doit venir de la communauté internationale. Nous allons aller tout d'abord en Afrique où plusieurs élections ont eu lieu ou ont lieu actuellement. Par exemple, on vote en Côte d'Ivoire aujourd'hui même, mais on votait il y a quelques temps. On votait donc en République démocratique du Congo, le Congo Kinshasa. Et après cette élection, une situation très tendue. Il y a eu 4 morts au cours des derniers temps. Voici la commission qui désigne officiellement Joseph Kabila comme vainqueur avec 48,95% des voix et puis des opposants qui prennent la rue, arrivée des forces de l'ordre, image classique, puisque l'opposant historique Étienne Tshisekedi, 78 ans, s'est déclaré également vainqueur, alors que la commission ne lui en confère que 32%, lui voit un résultat totalement inverse, accusant cette commission électorale d'être à la solde de Joseph Kabila et donc d'avoir faussé les résultats. Simple question que nous allons nous poser alors que l'on voit cette situation se dégrader, qu'elle nous rappelle ce qui s'est passé il y a quelques temps à Abidjan, où deux présidents s'affrontaient. On sait ce qu'il en est advenu avec Gbagbo, qui est donc actuellement devant la Cour pénale internationale. Est-ce que l'on doit redouter un scénario identique pour cette élection, Zed Limam? Vous me posez des questions à un million d'euros. Franchement, je pense que la situation ivoirienne et la situation congolaise n'ont pas grand-chose à voir. Ce qui se ressemble, c'est cette espèce de désespérance de voir des processus électoraux en Afrique qui tournent au conflit, au contentieux, à la violence. Maintenant, la République démocratique du Congo, c'est un des plus grands pays d'Afrique. Sa superficie, c'est à peu près celle de l'Europe de l'Ouest. Donc, pour organiser des élections, c'est extrêmement complexe. Et puis, il y a le jeu des puissances en RD Congo, qui est très important, puisque vous savez qu'il y a une mission des Nations Unies qui est très, très lourde, qui est là depuis plusieurs années, que c'est un des enjeux stratégiques de l'Afrique centrale. Donc, aujourd'hui, les puissances, comme on disait en 19e siècle, sont plutôt pour une forme de statu quo. Je ne suis pas dans le secret des cabinets, mais ils sont plutôt dans une forme de statu quo pro-Kabila, par défaut d'autre chose. La campagne de Tshisekedi a été une campagne très dure, assez... Oui, attaquer les prisons, assez hargneuse, et qui n'a pas rassuré éventuellement des soutiens à l'extérieur. Donc, en gros, on a des divisions régionales très fortes. Après, est-ce que ce résultat, c'est la réalité? Franchement, j'en ai aucune idée. Et je me demande même si les gens de la commission électorale ont une idée très précise de ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Parce que imaginez ce qui revient du Kivu, du Kasaï. Tout ça, c'est extrêmement compliqué à maîtriser. Avec une élection présidentielle à un seul tour. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça ne fait pas progresser la RD Congo. Mmh. C'est que la situation politique va rester tendue. Et c'est que la situation économique, qui est déjà dramatique, ne bénéficiera pas d'une situation politique aussi tendue. Ce qui est tragique dans cette histoire, deux choses. D'abord, je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas comparer les élections en Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé dans le Congo démocratique, République démocratique du Congo, parce qu'en Côte d'Ivoire, on était assuré que le résultat, c'était le vrai résultat. Donc, plus que ce qui s'est passé en RDC.
Là, il y a eu tellement d'histoires de votes qui étaient malmenés, des piles de voix pour un des candidats par-ci qui n'était pas le favori, etc. Donc on ne peut pas dire que c'était des élections qui étaient libres et bien organisées. Et donc là où on a voulu, de la part de l'Ouest, de approcher les peuples pour faire un peuple plus soudé entre eux, ça a complètement échoué et ça risque d'avoir l'effet inverse, de diviser le peuple encore plus et de pousser à la guerre civile. Et là, je suis très inquiet. Je pense qu'on est plutôt parti sur un scénario à l'ivoirienne. Mais comme on l'a dit cette semaine, la RDC, c'est comme un pays, un TGV qui va à 300 à l'heure vers un mur et il va heurter le mur, on ne peut pas l'arrêter. Souhaitons qu'il puisse virer au moins au dernier moment. Il fut un temps où l'Union soviétique et la Russie avaient des liens très étroits avec certains pays africains, liens politiques forts. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un regard, par exemple, de Moscou sur ce qui est en train de se passer en RDC? On rappelle que l'ancienne puissance coloniale était européenne puisqu'il s'agit de la Belgique. Oui, c'est vrai, même nous avons jusqu'à maintenant l'université Lumumba. Oui, bien sûr. À Moscou. Voilà, ceci pour rappeler toute la sympathie que les soviétiques à l'époque avaient manifestée à l'égard de la lutte des Congolais pour la libération nationale. Mais cette fois, si vous voulez, le sujet africain, et pas seulement les événements au Congo, mais par exemple la Côte d'Ivoire, c'est la raison pour laquelle je serais plutôt pour rapprocher les deux pays. C'est encore une fois un sujet qui a rapport avec la situation intérieure, puisqu'on voit dans ce qui se passe sur le continent africain, pas que le continent africain, mais cette fois, toutes les difficultés d'introduction des règles du jeu démocratique dans les sociétés qui ne le sont pas. C'est-à-dire, si on réduit la notion, la compréhension de la démocratie juste à la technologie, à une sorte de caisse avec des outils aux élections, alors là, on est face, comme dans la Côte d'Ivoire, comme maintenant au Congo, à une situation où, sans un niveau de transparence nécessaire, sans une acceptation par la société, des règles du jeu et des résultats, voilà, on risque d'avoir des résultats inverses par rapport à ce qu'on avait souhaité. On regarde quelques-unes avant de poursuivre. Le soir, donc, le quotidien belge, je le disais, ancienne puissance coloniale à la Belgique, Tshisekedi, donc l'opposant historique, notamment à Kabila, conteste la large victoire électorale de Kabila. Les dépêches de Brazzaville, c'est l'autre Congo. Point d'interrogation, qui va sortir de cette victoire? Jeune Afrique, République démocratique du Congo, au bord du gouffre, avec cette une très noire des deux hommes politiques qui se proclament victorieux. Du côté des États-Unis, y a-t-il une attention particulière sur la situation de ce pays? Absolument pas, ou très peu. C'est-à-dire qu'on est très, très loin. Alors, André vient d'évoquer M. Lumumba, qui était assassiné en 1961 avec la complicité du CIA et des États-Unis. On est très, très loin de cette période-là. Au contraire, j'ai regardé dans la presse américaine, et surtout anglais aussi, The Economist, qui ont tout un rapport sur l'Afrique dans son ensemble. Et c'est curieux de constater que beaucoup d'économistes, vu d'un angle économique, bien sûr, l'Afrique est regardée aujourd'hui comme un autre Asie émergent, avec un taux de croissance qui est autour de 6%, double le taux des États-Unis, avec une population qui est en train d'exploser, avec énormément de richesses. Et pour le Congo, ce qu'on regarde, c'est pas le Congo, mais le Rwanda, et les pays autour où il y a des réserves de l'or, la moitié des réserves de l'or dans le monde sont en Afrique. C'est quand même incroyable. Et il y a des élections maintenant dans deux tiers des pays en Afrique, grosso modo. Et donc, on fait beaucoup plus d'attention sur les possibilités, comme des Chinois. Ils sont très présents. Ils sont également, comme les États-Unis, très très présents sur le plan économique. On voit plus de Chinois que d'Américains. Exactement, mais il y a beaucoup d'investissements américains. Ouais. C'est pas pareil. Les Chinois ont beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'investissements, mais les États-Unis, l'administration et les milieux d'affaires américains voient l'Afrique dans son ensemble comme une grande région de l'avenir sur un plan de croissance et de création d'emplois. J'aimerais revenir sur ce que disait André tout à l'heure. C'est vrai que c'est très difficile d'introduire la démocratie dans des
dans des pays qui n'ont pas de tradition démocratique au sens, j'allais dire, euro-américain du terme. Mais je pense quand même que l'exigence de gouvernance aujourd'hui en Afrique, elle est réelle. C'est-à-dire les opinions, les populations, les élites, etc., demandent de la gouvernance. On ne demande pas à la Suède. On ne demande pas de devenir un minimum de gouvernance qui fait que ce potentiel économique dont vous parlez, qui fait que ces richesses ne soient pas dilapidées, distribuées pour servir à la politique des clans, etc. Et le cas du Congo, c'est pour ça que le cas du Congo est fascinant. C'est un réservoir phénoménal de richesses. Le bois, les minerais, l'or, enfin tout ce qu'on peut y trouver, diamants, etc. Donc c'est ce qu'on appelait les scandales géologiques de manière un peu rapide. Mais ce qui devient la malédiction de ces pays. Oui, mais c'est pour ça aussi que c'est peut-être aux Africains de réinventer des modèles qui leur soient proches. Moi, je sais que j'ai des amis intellectuels qui parlent d'une démocratie africaine qui serait peut-être différente, qui serait plus basée sur des concepts de société locale. Peut-être, mais c'est très urgent d'arriver à ces compromis politiques à l'intérieur des pays. Alors, si j'ai bien compris, quand même, la richesse est plutôt dans le côté est du Congo. Ça veut dire contrôlé par Rwanda et Uganda. Oui, mais il y a aussi la région de Lubumbashi, il y a aussi l'ancien grand Copper Belt qui est toujours présent. Et puis, vous savez, on creuse, on trouve. Hein. C'est aussi, et les réserves aquatiques sont plutôt du côté du fleuve, du côté de tout ça. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Il y a de quoi nourrir 200 millions d'habitants. De faire une Amérique, en fait, on pourrait imaginer. Faire une Amérique au cœur de l'Afrique. Et puis, nos amis américains s'intéressent beaucoup à l'Afrique depuis que les Chinois s'y intéressent beaucoup, depuis que les Russes s'y intéressent beaucoup, depuis que les Indiens s'y intéressent beaucoup. D'un seul coup, on se réveille à Washington en disant peut-être qu'on a laissé passer un train, il faudrait aller voir ce qui se passe sur place. Et on y va vite. Alors, deux dessins autour de cette... Largués, pardon ? Nous, on est complètement largués, les Français, tout ça, on a perdu toutes nos... Enfin, pas tout, mais une grande partie de notre influence africaine. Économique et diplomatique. Ah, dessus, vous êtes au nord. Donc, ici... Pendant que vous poursuivez la conversation, ici, donc, Tintin au Congo, revisité par Kishka, ici, votons au Congo. On voit que cette urne vit des moments un petit peu difficiles. Et puis, pour l'opposition, Kabila a perdu les élections, dégage, dit cet opposant, mais il n'a pas perdu la main. Souhaitons que ce scénario ne se produise pas, même si je vous le disais. Il y a eu 4 morts depuis le début de ces affrontements, une situation très tendue. Et on va retrouver nos deux invités ce matin, Marie Jacob, rédactrice en chef de la cellule internationale RTBF, et Dieudonné Wamu Oyatambwe, docteur en sciences politiques. Nous parlons ce matin des résultats des élections au Congo. Bertrand, avant les questions d'auditeurs, le résumé de la première interview. Oui, et avec Marie Jacob, on évoquait un risque de dérapage évident, mais à la différence d'un autre précédent en Côte d'Ivoire, où il y avait 2 camps après les élections contestées. Ici, il y a surtout un camp, celui du pouvoir avec des forces de sécurité. De l'autre, il y a plusieurs candidats, dont surtout Étienne Tshisekedi, mais qui n'a pas une armée avec lui. Sa force, c'est sa capacité à mobiliser des foules. Dieudonné Oyatambwe craint que le pire soit encore à venir. Depuis le début du processus électoral, on compte les morts. Les résultats des élections législatives qui se sont déroulées en même temps doivent encore arriver en janvier et beaucoup plus de candidats sont concernés. Donc la tension va encore monter, dit-il. On a évoqué Étienne Tshisekedi, il confirme, l'UDPS n'est pas un parti de ministres ou d'armée. Le risque est que des manifestations de contestation se multiplient et que le pouvoir, à un moment donné, use beaucoup plus de violence qu'il ne le fait déjà aujourd'hui. Marie Jacob a évoqué le rapport de la Fondation Carter qui a jugé les résultats peu crédibles de ces élections, vu les irrégularités. Par contre, la Fondation Carter et d'ailleurs l'ensemble de la communauté internationale ne concluent pas qu'il faut annuler les élections. Personne n'ose remettre clairement dans la communauté internationale le résultat de ces élections en question. Pour Dieudonné Oyatambwe, enfin, il appartient à l'opposition de collecter les indices de fraude pour contester le résultat, mais ce n'est pas la voie choisie par Étienne Tshisekedi. Voilà, la Fondation Carter, on va y revenir dans un instant. Je vois qu'il y a des questions à ce propos. 070 22 37 37 matin première.be, c'est parti. Bonjour à tous, je vous appelle de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut pour que la communauté internationale réagisse par rapport à des soupçons de tricherie que nous, Congolais, avons vus lors des élections? Qu'est-ce qu'il faut pour que la Belgique réagisse et dise la vérité à l'opinion internationale ou dise la vérité lors de ces émissions ou de ces journaux télévisés? À bientôt, au revoir. Voilà, une première réaction avec vous, Marie Jacob.
Ce qu'il faut pour que la Belgique réagisse, je n'en sais rien. Ce qu'on peut faire en tout cas, c'est des constats pour le moment. Et se dire que, et ce n'est pas la première fois qu'on le souligne, c'est vrai que jusqu'au cinquantenaire, jusqu'aux festivités l'année dernière, la Belgique était assez présente au Congo. Et c'est vrai que depuis un an, la Belgique est nettement moins présente et on l'entend beaucoup moins sur le Congo. Et ce n'est pas uniquement la Belgique. Alors, c'est sans doute lié à plusieurs choses. Il faut quand même souligner que les Congolais qui ont été pendant des années encadré par cette communauté internationale à cause de la guerre, à cause de la période de transition, etc. À un moment donné, a dit aux Occidentaux, écoutez, maintenant, ça suffit. Ici, on a un gouvernement élu, c'est à nous à prendre nos responsabilités et on est maître chez nous, ça suffit. Et du côté de la communauté internationale, je pense qu'il faut dire qu'on n'avait plus peut-être très envie de s'investir au Congo. Est-ce qu'il y a eu une réaction officielle de la Belgique depuis le résultat des élections? On rappellera que c'est maintenant Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y a une réaction officielle? Oui, la Belgique, pour le moment, comme l'ensemble des États, a pris note des résultats. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense en tout cas qu'avant que la Cour supérieure de justice qui sera appelée à donner les résultats définitifs le 17 décembre, tant que la Cour ne se sera pas prononcée, c'est difficile évidemment pour la communauté internationale de se prononcer elle-même sur le sujet. Dieudonné Wamou Oyatamboué, dans la situation actuelle, à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut une réaction de la communauté internationale? Il me semble que oui, il faudrait au moins indiquer qu'on se préoccupe de ce qui se passe là et que l'on écoute les voix de tout le monde. Il y a des gens qui contestent, tout comme il y en a qui ne contestent pas. Je crois que ce sont des voix qui comptent. Il faut écouter les deux tendances et je pense que dans ce qu'on appelle la communauté internationale, ce qui a plutôt mal fonctionné jusqu'ici, c'est le fait d'avoir souvent donné l'impression qu'on était plutôt dans un camp et pas dans un autre. À titre d'exemple, tous les propos d'Étienne Tshisekedi ont été fermement condamnés et on a oublié que ces propos étaient souvent des réactions à d'autres actes. Quand il appelle les gens à les casser des prisons, c'est parce qu'il y a de ses partisans qui ont été emprisonnés de manière arbitraire. Et quand il est empêché de faire campagne, ainsi de suite, la communauté internationale n'a pas suffisamment condamné ces actes-là. Donc je crois qu'il faut quand même un discours qui équilibre un peu le jeu, qui montre qu'on est quand même préoccupé et qu'on s'occupe aussi bien de la tendance Kabila que de la tendance Tshisekedi. Juste en deux mots, je crois qu'il ne faut pas être naïf non plus. La communauté internationale, des pressions, il y en a pour le moment. Des pressions certainement sur le camp Tshisekedi pour que les gens ne viennent pas manifester en masse et que le calme soit là, et des pressions du côté du pouvoir pour qu'on ne fasse pas usage des armes et puis qu'on essaye de trouver une solution. Bertrand Haine, des commentaires sur notre site internet, sur Facebook et Twitter. Oui, avec un auditeur ici qui estime, évidemment c'est son jugement, mais que Kabila a triché, nous dit-il, et alors sa réflexion c'est, ne faut-il pas simplement prendre acte de l'incapacité de la communauté internationale à aider, à trouver des solutions en amont, mais il faudra attendre que des hommes et des femmes meurent, comme en Côte d'Ivoire, en Libye, nous cite-t-il, pour intervenir très tard. Et je lisais plusieurs rapports, notamment de l'International Crisis Group, qui était assez dur en disant que la communauté internationale a un peu abandonné le Congo à son processus électoral. C'est votre avis, Marie-Jacob? C'est-à-dire, c'est plus complexe que ça. Bien sûr qu'elle n'est pas là, mais c'était aussi en partie à la demande des Congolais, en tout cas à la demande du pouvoir, parce que c'est vrai que ces dernières années, on a bien vu qu'on était presque dans l'affrontement permanent, pas l'affrontement par les armes, je veux dire l'affrontement diplomatique, parce que du côté des Congolais, on voulait mener à bien les élections. Ils ont d'ailleurs financé à 80% ces élections, même s'il y a eu une aide du côté de la communauté internationale. Ils ont essayé de mettre les choses en place. Ils s'y sont mal pris, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà le résultat aujourd'hui. Et on ne sait pas maintenant de quelle manière la communauté internationale devra intervenir. Et on souhaite que ce ne soit pas pour mettre un terme à un conflit qui pourrait éclater. Revenons sur les contestations. Dieudonné Wamou Oyatamboué, un auditeur nous demande là à l'instant pourquoi les autres candidats ne se plaignent pas. Je pense qu'ils sont tous plaints. Bien avant la proclamation des résultats définitifs par la CENI, il y a des candidats qui ont appelé à l'annulation pure et simple de ces élections. Je pense à Kengo, Kamere, Moussa Nyamouissi, ainsi de suite. Donc, tous les candidats presque s'en plaignent. Et donc, c'est une donnée qu'il faut acter et puis voir comment est-ce qu'on traite toutes ces données-là. Mais peut-être que la différence aussi entre les candidats qui ont réclamé l'annulation, c'est qu'ils savaient que de toute façon, ils n'avaient pas les suffrages pour pouvoir affronter Kabila. Tandis que Tshisekedi, lui, se dit qu'il a peut-être suffisamment de suffrages que pour pouvoir être l'autre candidat. 8h43, je le disais tout à l'heure, il y a des questions sur la Fondation Carter. On écoute. Je constate malheureusement qu'il y a une mauvaise lecture du rapport du Centre Carter, aussi bien par Lambert Mende, soi-disant ministre de la Communication au Congo, et par vos invités. Ils considèrent ces chiffres-là comme non crédibles. Quand le Centre Carter dit qu'il considère
les chiffres donnés par la CENI non crédibles, cela signifie quoi en français? C'est-à-dire que le Carter ne reconnaît pas les choses de Kabila comme président, parce que les chiffres sont non crédibles. Marie Jacob, il faut peut-être resituer très brièvement l'Institut Carter, c'est quoi? C'est le nom de cet ancien président américain. Oui, il fait quoi, cet institut? En l'occurrence, ils avaient des observateurs qui étaient répartis un peu partout dans le Congo, et puis après ça, ils remettent des rapports. Mais j'entends bien ce que monsieur dit, simplement qu'il y a une phrase dans le dernier rapport de la Fondation Carter qui dit « Malgré tout ce qui a été pointé, ça ne signifie pas une remise en cause de l'ordre des résultats. » Donc ça veut dire que la conclusion, c'est que, en tout cas jusqu'à présent pour la Fondation Carter, le premier c'est Kabila et le deuxième c'est Étienne Tshisekedi. Et tout à l'heure, ce que Bertrand Haine appelait le brouillard dans lequel on se trouve, ça participe, je pense, au brouillard dans lequel on se trouve pour le moment. Peut-être une question d'un auditeur sur Twitter, Georges, et là elle s'adresse à Dieudonné Oyatembué, il va falloir un petit peu de pédagogie. Vous ne parlez que de l'élection présidentielle ce matin, c'est vrai. Or, selon beaucoup, la population aurait sanctionné le PPRD, quid d'une cohabitation. La question est un peu obscure pour nous qui ne sommes pas tous les jours plongés dans la réalité congolaise. Il y a eu des élections législatives, on en parle moins, mais il faut peut-être aussi en parler, c'est l'occasion. Et quid d'une cohabitation des partis au pouvoir? Mais c'est pour cela que j'ai dit que le pire était peut-être à venir, parce qu'il y a eu plus de 18 000 candidats pour 500 sièges seulement. Et donc là aussi, il y aura beaucoup de contestations. Et parce que le chaos qu'on a observé lors de ces processus électoraux, il a prévalu aussi bien pour les élections présidentielles quand que pour les législatives. Quand est-ce qu'on aura le résultat? C'est pour le mois de janvier. Okay. Et donc là, la compilation va être beaucoup plus difficile. Et tous ces candidats ont eu aussi leurs observateurs qui ont prélevé des chiffres dans les différents bureaux de vote. Alors, quand les résultats définitifs vont être proclamés pour les législatives, chacun va faire prévaloir les signes que ses partisans ont observés. Et je ne suis pas sûr qu'entre ce qui a été relevé dans les centres et ce qui sera proclamé par la CENI, on soit vraiment certain que cela va correspondre. Donc, le pire pourrait arriver. En deuxième lieu, en termes de cohabitation, mais comme je l'ai dit, pour qu'il y ait cohabitation, il faut savoir qui vaut quoi ou qui pèse quoi au niveau législatif. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc il faut attendre un peu que le processus continue et nous limiter aujourd'hui à ce qui est déjà connu, à savoir les élections présidentielles, et voir comment est-ce qu'on peut dénouer d'abord cette crise ici avant d'anticiper d'autres crises à venir. Alors, on l'a dit, il y a deux présidents, deux prétendants en tout cas pour le siège présidentiel. Ça rappelle un peu la situation de la Côte d'Ivoire. Écoutez la question qui suit. Oui, bonjour, je suis M. Dieudonné. En Côte d'Ivoire, la Cour suprême était là, qui avait confirmé la victoire de M. Gbagbo. Mais le constat était que la communauté internationale a été, entre guillemets, contrainte et soutenue M. Ouattara pour mettre M. Gbagbo dehors. Donc, il ne faut pas faire une politique de l'autruche, il faut être clair, dire les choses telles qu'elles sont. Si les choses doivent aller dans le bon sens, il faut simplement faire un travail comparatif des résultats qui ont été obtenus, PV par PV, comparer les bureaux et voir si M. Kabila ou M. Tshisekedi a réellement gagné. Et pas entamer une voie légale qu'on sait qui est fausse et qui est biaisée dès le départ. Merci. Dieudonné Wamou Oyatembué, est-ce que les deux situations sont comparables? Non, je pense que ce n'est pas des situations comparables. D'abord, il y a eu en Côte d'Ivoire deux logiques institutionnelles qui se sont opposées. La commission électorale en Côte d'Ivoire donnait Ouattara vainqueur et la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle chez eux, donnait Gbagbo vainqueur. Ça tenait à la manière dont les deux institutions étaient contrôlées par un camp ou par un autre. Ici, on a toutes les institutions qui sont contrôlées pratiquement par un seul camp et un autre camp qui est resté longtemps en dehors des institutions. Donc, on ne peut pas comparer les deux situations. Ce qu'il y a, c'est que en s'inscrivant dans le processus électoral, tous les camps se sont inscrits dans un schéma institutionnel donné. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui sortir de ce schéma institutionnel sur base uniquement d'une contestation électorale. Si on veut contester les élections, on doit pouvoir tenir compte de la logique, parce qu'on s'est déjà inscrit là-dedans, on ne peut pas s'en exclure de cette manière-là, sinon alors il ne fallait même pas participer aux élections. Oui. Il y a des auditeurs, pour reprendre la question qui venait de poser, il y en a aussi sur le site internet des gens qui nous demandent, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de vraiment vérifier par après si le scrutin s'est déroulé de manière légale. Marie Jacob, est-ce que c'est possible de faire ce travail de fourmi? Oui, c'est tout le débat, mais effectivement, c'est de reprendre tous les PV des différents bureaux de vote. Alors, schématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que quand on a dépouillé dans tous les bureaux, chacun des témoins, donc les gens qui étaient là comme observateurs des différents partis sont repartis avec leur PV, on a collé les résultats sur la fenêtre ou sur la porte du bureau de vote, et puis il y a un exemplaire de ce PV qui a été envoyé dans un centre de compilation, et à partir de là, toutes les données sont envoyées à la commission électorale indépendante. Alors, effectivement, je pense que, en tout cas, en ce qui concerne les résultats dans les bureaux de vote,
dans la, en tout cas dans une grande partie des cas, je pense qu'on peut se fier aux résultats des bureaux de vote. D'ailleurs, c'est ce que réclame Étienne Tshisekedi. Il dit il faut aller voir dans les bureaux de vote et il faut tout recompter. Alors, c'est une des solutions. En attendant, je ne sais pas combien de jours ça prendra. Oui, Dieudonné. Et on pourra même remarquer, ou faire remarquer, que aussi bien la conférence épiscopale congolaise que le rapport de la Fondation Carter, tous les deux disent que les scrutins, en tout cas les résultats qui ont été affichés dans les bureaux de vote qui ont été observés, ne posent pas de problème. Le problème se pose beaucoup plus au niveau de la transmission de ces résultats-là et de leur compilation au niveau de la Commission nationale électorale. Donc c'est là que le problème se pose. Il y a l'interview d'Étienne Tshisekedi diffusée ce matin, le sphinx de l'immunité qui refuse toujours le résultat des élections, qui accorde la victoire à Joseph Kabila, Bertrand Hénin. Oui, et le Congo qui se retrouve dans une situation, on va dire, dans le brouillard ce matin, avec un président qui est sorti vainqueur des urnes. Président sortant, Joseph Kabila, on va rappeler le score, 48% des voix, selon la Commission nationale indépendante, et un président autoproclamé, Étienne Tshisekedi, qui lui aurait récolté donc 32% des suffrages, mais vous l'avez compris, il conteste le résultat et il évoque des fraudes massives. Maryse Jacob, est-ce qu'il y a un risque de dérapage, de spirale de la violence? Et ça nous fait penser un peu à la situation en Côte d'Ivoire, où il y avait aussi une contestation après le score électoral, et on a vu ce que ça a donné, une guerre. Un risque de dérapage, certainement, évident. Alors, ce qu'il y avait en Côte d'Ivoire, c'est qu'on avait deux camps avec des armes de chaque côté. Ici, je dirais, on a un camp, c'est le pouvoir, avec l'armée, avec la police, avec des forces de sécurité importantes. Et de l'autre côté, on a Étienne Tshisekedi. Il y a certes des milices dans les différents partis, mais qui est lui, qui a pour lui, je vais dire, une grosse partie de la population. Mmh. Et on a vu à quel point il arrivait à mobiliser des foules. Et les foules mobilisées dans les différents côtés, ça donne aussi des affrontements et des violences. Donc maintenant, la question à se poser, c'est de savoir pendant combien de temps le régime en place, avec ses forces de sécurité imposantes qui ont quadrillé Kinshasa, mais aussi des autres villes, vont pouvoir mettre un couvercle sur cette marmite qui est en train de bouillir, et combien de temps le régime en place va pouvoir tenir. Alors, évidemment, on peut compter sur les pressions internationales, des pressions pour le moment pour que la situation ne dégénère pas, mais on ne sait pas combien de temps ça va tenir, c'est certain. Dieudonné Wamou Oyatembwe, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes avec nous ce matin et vous êtes chercheur spécialisé dans les questions de développement et des processus de démocratisation en Afrique. Maryse Jacob vient de le rappeler, il y a des pressions de la communauté internationale très fortes, on s'en doute. On voit aussi que finalement ce week-end il y a eu 4 morts lors de manifestations. Certains s'attendaient à plus vu la manière dont la tension a été montée ces derniers jours. Comment est-ce que vous voyez le Congo dans la semaine qui va s'écouler maintenant? Est-ce que vous pensez que la population risque de manifester de plus en plus? On a entendu Étienne Tshisekedi tout à l'heure appeler à des manifestations, mais pacifiques. Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer? Je crains fort que le pire soit encore à venir, dans la mesure où, d'une part, depuis que le processus démocratique, enfin électoral, a commencé, on n'a pas arrêté de compter des morts. Donc on oublie de le dire, c'est à Mbujimayi, c'est à Katanga, en période préélectorale, comme le jour des élections, et aujourd'hui encore. Et là, on parle de contestation sur base des élections présidentielles. On n'a pas encore les résultats législatifs. Mmh. Et là aussi, ça sera beaucoup plus grave, parce que là, il y a beaucoup plus de candidats, beaucoup plus de personnes concernées. Et donc, je crains fort que les pressions internationales ne suffisent pas si on ne trouve pas une solution beaucoup plus globale à la problématique électorale ou contentieux électoral telle qu'elle. Mmh. Est-ce qu'Étienne Tshisekedi a, je veux dire, un pouvoir, une capacité de, j'ai entendu ça, lancer des milices éventuellement contre le pouvoir, ou est-ce que c'est pas du tout dans la culture de l'UDPS de faire ce genre de choses? Est-ce qu'on risque vraiment une militarisation quelque part du conflit? Comment vous voyez les choses, vous? Une militarisation, je ne dirais pas. Je crois que c'est pas maintenant que l'UDPS va devenir un parti armé. C'est pas un parti qui a une habitude d'entretenir des milices et tout ça. Le risque serait que à chaque mot d'ordre, les gens descendent massivement dans la rue et que ce que l'on appelle les forces de sécurité ou les forces de l'ordre au Congo ne soient pas capables de se retenir face à ces marées humaines. On a vu à chaque déplacement, à chaque meeting de Tshisekedi à Kinshasa par exemple, à quel point il était capable de mobiliser surtout dans la capitale. Surtout dans la capitale, mais je crois qu'il est capable de mobiliser aussi ailleurs, surtout dans les Kasaï et même au Katanga. Sa dernière tournée au Katanga a été tout sauf un manque d'engouement populaire. Maryse Jacob, là-dessus. Mais je pense que le danger aussi, quand on arrive à mobiliser des foules, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus à les contrôler.
contrôlée aussi, et que face à une armée qui fait usage de la force, et c'est arrivé plusieurs fois, puisqu'il y a eu quand même de nombreux morts depuis quelques semaines, ben, la provocation répond à la provocation et on entre facilement dans un engrenage où à un moment donné, la situation devient incontrôlable. Alors on va évoquer le rôle que peut jouer la communauté internationale. On a entendu tout à l'heure à 7h20 Étienne Fissé qui dit lancer un appel à la communauté internationale. On va entendre la réponse du gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. D'abord, ce pays n'appartient pas à cette entité que vous appelez communauté internationale, il en fait partie. Deuxièmement, la Fondation Carter elle-même dit, je vous le répète, que ces irrégularités ne mettent nullement en cause le classement de Joseph Kabila en tête. De quoi voulez-vous que nous ayons peur ? Étienne Tshisekedi fait appel à la communauté internationale en disant il faut faire pression sur Joseph Kabila pour qu'il s'en aille. Est-ce qu'il y a des pressions sur Joseph Kabila pour qu'il s'en aille ? Nous sommes en train de regarder. Nous ne voyons que des messages de félicitations à Joseph Kabila qui tombe de la communauté internationale. Nous ne voyons que des messages, des appels au calme qui invitent tout le monde à attendre que la Cour suprême de justice confirme ou infirme la décision provisoire prise par la Commission électorale nationale indépendante. Troisièmement, la communauté internationale n'a pas qualité pour faire partir un président de la République dans quelque pays que ce soit. Il n'y a que le peuple à travers le corps électoral et donc à travers les décisions qu'annonce l'administration électorale qui peut faire partir un président. Je pense que M. Tshisekedi est dans un monde tout à fait d'illusions. Alors une dernière chose, la France jugeait hier soir la situation explosive en République démocratique du Congo. Vous considérez qu'elle est explosive ? Je pense que l'autorité française qui a parlé, probablement influencée, elle est de bonne foi certainement, influencée par certains rapports ou reportages des médias qui veulent toujours peindre tout en noir, peut-être pour se donner du travail. Moi qui viens de déposer mes enfants à l'école, je ne vois pas où est la situation explosive. Kinshasa tourne. M. Tshisekedi a bien voulu semer la confusion en faisant semblant d'appeler ces gens au calme, mais en les envoyant commettre des pillages ici et là. La situation est venue au calme, les Congolais sont suffisamment mûrs, il n'y aura pas de déluge parce que Tshisekedi n'a pas été élu. Voilà, Lambert Mende, donc le ministre de la Communication que vous avez joint il y a quelques minutes, Maryse Jacob. Alors on entend, il minimise un petit peu les risques, il n'y a pas de risque de déluge parce que Tshisekedi n'a pas été élu. Et alors, il renvoie un peu la communauté internationale vers l'extérieur en disant, il n'y a que les urnes qui peuvent défaire le président et donc il ne s'en ira pas. Donc ce scénario-là, c'est inimaginable. Mais en tout cas, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il renvoie à la Fondation Carter. Alors la Fondation Carter, du nom de l'ancien président américain, avait des observateurs sur le terrain et c'est une association que l'on connaît pour son sérieux. Et la Fondation Carter a fait tout un rapport, enfin plusieurs rapports, dont un ce week-end, dans lequel elle dénonce des irrégularités en disant tout ça rend ce processus peu crédible. Mais la Fondation Carter, comme pratiquement tous les observateurs qui étaient sur place, à aucun moment ne dit « Eh bien, ces élections n'ont pas fonctionné, on va devoir les annuler ». Alors, quelque part, eh ben, le gouvernement se retranche aussi derrière tous ces observateurs qui font des rapports, mais qui n'interviennent pas à un moment pour dire « ça suffit, ces élections ne se sont pas déroulées comme il fallait ». Alors, est-ce que le président Kabila va céder et va partir ? Là, franchement, je pense que le président Kabila, fort d'un résultat qui, pour le moment, est en tout cas, n'est pas contesté par la communauté internationale, ne va pas partir demain. Ça, il y a peu de chance. Dieudonné Oyatembué, je le disais, vous suivez particulièrement les processus de démocratisation en Afrique. Comment est-ce que vous jugez le processus électoral au Congo ? Vous avez vu, je suppose, le rapport de la Fondation Carter. Et c'est vrai, ils disent, les résultats ne nous permettent pas de dire si l'ordre de sortie des urnes est bien celui-là ou pas. C'est aussi votre avis ? Il y a sans doute eu des fraudes, mais c'est difficile de dire quels ont été leurs impacts. À mon avis, l'intérêt du rapport de la Fondation Carter, c'est de démontrer, avec quelques exemples à l'appui, ce qu'on appelait des irrégularités. C'est plus grave que des simples irrégularités. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, à Malimbankoulou, ce qu'ils ont mis en avant ou ailleurs, on trouve dans une région favorable au président de la République un taux de participation qui est de presque 100%, et là, il est élu aussi à presque 100%. Tout le monde a voté pour lui. Tout le monde a voté pour lui, et presque tout le monde
était là. C'est-à-dire qu'entre l'enrôlement et les jours d'élection, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas de gens malades. On peut se poser des questions là-dessus. Mais il appartient alors à l'opposition de pouvoir saisir ces genres d'arguments pour aller justement devant les instances juridiques pour contester les résultats. Parce que ce sont quand même des indices sérieux de dysfonctionnement dans le système électoral. Et malheureusement, j'ai l'impression que le président M. Tshisekedi a pris l'option de ne pas saisir les instances. Et cela est un peu contre-productif de mon point de vue. Marie Jacob, c'est vrai qu'il y a la Cour suprême et Tshisekedi dit c'est la chose de Kabila, ça sert à rien d'y aller. C'est sa stratégie, c'est l'affrontement. Je ne sais pas si c'est l'affrontement, mais en tout cas, il ne reconnaît ni la commission électorale, ni le Conseil supérieur de justice, dont les magistrats, sur proposition du collège des magistrats, si je ne me trompe, sont quand même nommés par le président. Tout à fait. Et donc, Étienne Tshisekedi dit, mais quel intérêt est-ce que moi j'ai à aller contester des résultats devant le Conseil supérieur de la justice, dans la mesure où tous les magistrats sont acquis au président. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien vers quoi on va. Il ne conteste pas les résultats. Pour le moment, c'est un face-à-face dont on ne sait pas de quelle manière il va s'arrêter. Dieudonné Odiatembué, on a évoqué un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est une piste de sortie de crise de remettre les deux ensemble, Tshisekedi Kabila, pour qu'ils éventuellement gouvernent ensemble? Les deux sont partis sur des logiques extrêmes. Bien avant les élections, tous les deux ont déclaré qu'ils ne perdraient pas les élections. Aussi bien le président Kabila que M. Tshisekedi. Donc déjà, réconcilier ces deux extrêmes va être très difficile. En deuxième lieu, il y a quand même eu un cycle électoral. On ne connaît même pas encore l'issue des législatives, on ne sait pas encore qui va être dans la majorité ou pas, enfin, quelle sera la majorité issue des urnes, et on proposerait d'emblée déjà un gouvernement d'union nationale. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas voté. Il suffisait de gouverner et puis les choses sont réglées. Alors il n'aurait même pas fallu gaspiller autant d'argent pour organiser des élections. Cela dit, je pense que la solution pour pacifier le pays passe aussi par un accord entre ces deux logiques extrêmes. Et ça, ce sont surtout des pressions politiques qui doivent être faites de part et d'autre pour trouver un modus vivendi qui permette à l'opposition aussi bien qu'au pouvoir d'avoir voix au chapitre. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de l'émission.